Bonsoir, chers auditeurs de l'émission Film Bouchicote. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste congolais, la révélation d'Afrique centrale, acte 12, au canal d'or, j'ai nommé Sera Karl. Et Sera Karl, pourquoi vous surnomme-t-on le traumatiseur? Bon, le traumatiseur, c'est pas dans le mauvais sens. C'est seulement parce que je traumatise en chantant. Je fais du plaisir, je procure de la joie de vivre. Je procure le plaisir en chantant. Voilà, donc c'est pour cela qu'on m'appelle traumatiseur. Donc en tout cas, ne soyez pas traumatisés. N'ayez crainte. Ça va aller. Ok. Comme vous l'avez si bien entendu, hein, le traumatiseur, c'est pas pour traumatiser dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Voilà, voilà, donc, Sera Karl, pourquoi est-ce que vous êtes actuellement à Abidjan? Bon, j'étais à Abidjan parce que, en fait, je suis à Abidjan parce que il y a d'abord eu la mort de Didier Arafat, donc il fallait lui rendre hommage. On est venu, donc il fallait quand même que la rumba congolaise soit représentée, donc voilà. Et après, il a fallu aussi qu'on essaie de voir avec la promotion et puis l'annonce de mon prochain album qui viendra bientôt. Voilà, donc plus tard, je vous donnerai peut-être le nom de mon album parce que c'est encore en préparation. Donc c'est pour ça, c'est un peu mes deux objectifs, mes deux buts, les deux buts de mon voyage ici à Abidjan. Ok. Et dans combien de temps pouvons-nous espérer voir cet album sur le marché? Déjà très bientôt parce que il y a les fêtes déjà qui s'annoncent. Donc je crois qu'en début décembre, vous aurez déjà l'album. Mais d'ici là, dans un mois, il y aura déjà un single qui sortira pour annoncer l'album. Ok. Et l'album composera au moins combien de titres? Bon, cette fois-ci, on a voulu un peu aller loin, de 4 à 6. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas faire 8 chansons ou 10 chansons, donc ça dépend. Je crois que ça sera un album de 10 chansons maximum. Sinon, c'est dans les 8, parce qu'on n'a pas encore tout enregistré. Au fur et à mesure, on fait le travail. Donc, tel que je suis arrivé, on a arrêté le studio. Mais à mon retour, je crois qu'on pourra continuer. Donc, c'est un album de 10 chansons maximum. Pour moi, je crois que Sera Karl s'est fait connaître avec 2 titres. Passant toi et Au nom de l'amour. Et paraît-il que vous avez aussi un featuring avec Fabregas. Pourra-t-on avoir le titre de ce featuring? Oui, Ma Panacée, c'est un titre que moi j'appelle le choc des titans. Les deux Congos enchantés. Donc c'est Sera Karl et Fabregas. En tout cas, nous avons chanté avec mon cœur. Et ça a donné ce que ça a donné, Ma Panacée, une chanson d'amour, une chanson que je vous conseille parce que ça donne, ça fait du bien, ça procure du bien à l'esprit, à l'âme, ça nourrit l'âme, voilà quoi, ça fait tout ce qui est bien au nom de Ma Panacée. Déjà, comme le mot veut dire, déjà remède qui soigne tout mot, toute maladie, toute douleur. Comprenez, donc ça va soigner les plaies, ça va soigner les blessures. Ma Panacée, allez-y écouter, en tout cas c'est une bombe. Voilà, je vous prends au mot, il dit que le titre avec Fabregas est fait pour soigner les blessures, les chagrins d'amour. Voilà. Et combien de temps Sera Karl compte rester à Abidjan? Bon, déjà je suis au terme de mon séjour parce que déjà à partir de demain je prends mon vol pour Brazza. Et donc Abidjan, on nous revoit dans quelques semaines. Je reviendrai parce que j'ai des contrats qu'il faut que je puisse honorer ici. Donc voilà, je reviendrai. Je sais que Sera Karl est un Congolais et que tous les Congolais font de la rumba. Mais je vais quand même poser la question, pourquoi avoir choisi ce style-là, rumba? Ben, la rumba parce que je suis né dedans. Je suis un peu comme tombé dans ça, quoi, parce que depuis mon jeune âge, depuis que j'étais petit, en fait, dès lors que j'ai su que je pouvais parler ou chanter, je chantais déjà la rumba. Donc c'est un truc qui est dans mon ventre, qui circule dans mes veines. Voilà, ça fait qu'aujourd'hui je chante de la rumba, mais j'ai su me démarquer déjà avec Ma Panacée. Vous voyez, c'est pas la rumba, donc je peux mixer ou
encore mélangé avec d'autres styles, ce qui fait le côté particulier de ces gracales. Voilà quoi. Il y a comme un plus qui s'ajoute parce que je ne reste pas que dans la rumba. C'est vrai que je suis un digne fils de la rumba. Un fils qui a vraiment la rumba dans ses veines. Mais il y a des moments, j'aime faire des chansons comme Ma Panacée que vous écoutez. Et donc dans mon album aussi, il y aura d'autres chansons dans notre style aussi. Voilà. Ok, depuis combien de temps chantez-vous? Bon, je dirais, je chante depuis toute ma vie, depuis que j'ai appris à chanter, depuis que j'ai appris à parler, je chante. Mais je suis arrivé à la musique professionnelle en 2008. C'est là que je suis arrivé à la musique professionnelle. Mais avant, je chantais dans des groupes du quartier, comme ça, à l'école, par-ci, par-là, parce que au départ, à la base, je suis un interprète. Donc, j'interprétais tous mes grands frères, mes vieux, mes pères qui sont passés avant moi. Je les interprétais et jusqu'aujourd'hui, je suis un interprète. Et donc, voilà, comme c'est ma carrière, je fais mes propres chansons et ainsi va la vie. Ok. Et Serral pourrait nous donner, fredonner quelques, un peu de certains de ses titres. Où que tu sois, je pense à toi, Jonas. Ce que je ressens, c'est l'amour de l'amour. Jonas Obinga, appelle-moi tout simplement amoureuse. Mon bébé, à mon bébé, à qui est ton bébé? Malalinga katango yobi misaka baplay. Naleli, tango kumbaganga na lolay. Ça c'est Elombe. Chaque matin je me lève, je pense à toi. Nalingio, contre vents et marées, je t'aimerai. Malgré nos querelles, tu resteras les couleurs qui fondent mes aquarelles. Nami Pessinayo, fais de moi tout ce que tu veux. Dans mes douleurs, t'es ma panacée, bébé. Moïwanga notinasuka, bébé, éternellement. Là, c'est Ma Panacée, chantée avec Fabregas. L'apogée de mon amour, inèle mon cœur. Olinga vinangaye, minèle anise. C'est toi que j'ai choisi pour illuminer ma vie. Loin de toi, mon cœur sera compromis. Bébé, sans toi, ma vie deviendra un enfer. Yone, point final à la vinangaye. L'habit ne fait pas le moine, me reconnaît moine par son habit. Na lingé on a moté ma. Et ce qui était bébé, na ni mo soussoué. Ça c'est au nom de l'amour. Ok, merci Segral. Et que doit-on retenir de ton passage à cette émission et à Abidjan? Bon, retenez juste que Segral Karl vous aime. Et il a trop de love pour vous. Je suis votre otage. Je suis votre serviteur. Je vous offre mon cœur. Faites de moi ce que vous voulez. Un mot de fin aux auditeurs de la radio. Aimons-nous encore une fois. Je vous exhorte l'amour. Parce que sans l'amour, on n'est rien. Donc, voilà pourquoi je reviens encore sur mes paroles pour dire trop de love pour vous. Et je vous adore. Comme le dirait l'autre, aimons-nous vivants. Merci à Serral et belle écoute à tout le monde. Merci. Ciao.